L'union des marchés de capitaux, c'est un enjeu pour tout le monde, pour les salariés, pour les citoyens, pour les entreprises et pour les États de l'Union européenne. C'est un enjeu fondamental pour la croissance et le développement en Europe. Aujourd'hui, l'Union européenne est en train de perdre le contrôle de ses modes de financement. C'est un enjeu de souveraineté majeur. La moitié des financements de l'Union européenne pour les grandes entreprises est assurée par les banques américaines. Deux tiers des financements sont assurés par les banques étrangères. L'Union européenne est la seule juridiction, le seul ensemble économique au niveau mondial qui a perdu les deux tiers de ses capacités de contrôle de ses financements. Il faut que l'Europe reprenne son destin financier en main. Ce destin financier, il est essentiel de le reprendre pour assurer la croissance et l'emploi en Europe. Aujourd'hui, l'épargne européenne s'investit à plus de 25% hors d'Europe et de ce point de vue-là, finance les emplois et la croissance de pays tiers. Cette épargne, elle doit revenir en Europe. Elle ne reviendra pas s'il n'y a pas des marchés de capitaux pour l'accueillir. Sans ces financements en Europe, les entreprises ne pourront pas grandir, les emplois ne pourront pas être créés. C'est indispensable. Mais ceci ne peut se faire qu'à un certain nombre de conditions. Ça doit être une priorité absolue de la nouvelle Commission européenne et être intégré à l'agenda réglementaire de la nouvelle Commission. Cet enjeu formidable, il faut que nous le réussissions tous ensemble. L'union des marchés de capitaux, et c'est le message que nous voulons passer aujourd'hui, c'est l'union de tous en faveur de la croissance et l'emploi.